Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on va essayer de résoudre un problème que j'ai avec la pulvérisation de mon aspirateur injecteur extracteur de Parkside. En effet, quand on active la pulvérisation, rien ne se passe, il n'y a pas de pulvérisation. Alors le problème numéro 1 qu'il peut y avoir, c'est au niveau du tuyau, celui-ci peut être pincé, parce que s'il est pincé, le détergent ne passera pas. Donc déjà, il faut bien regarder que le tuyau ne soit pas passé. Également, le problème peut venir du pulvérisateur. J'ai eu des messages sur mon TikTok Sopromo me disant qu'il fallait démonter le pistolet pulvérisateur, chose qu'on va faire tout de suite. Il y a 4 vis à retirer. C'est pas évident à ouvrir quand même. C'est vraiment bien clipsé. Ah oui, regardez, ici ça vient pincer le tuyau pour bloquer le jet. Et quand j'ouvre, bah ça reste bloqué. Le tuyau il reste pincé. Et c'est pour ça que ça marchait pas en fait, parce que mon tuyau il était pincé. Et a priori d'autres personnes ont ce problème. Et comme leur tuyau il est de mauvaise qualité, et bah ça l'a abîmé. Donc là on va le couper. Bon là il faut dévisser à ce niveau-là, je me suis aidé d'une pince. Je repasse le petit élément et là je repasse cela. On resserre. Le tuyau est tellement peu résistant que automatiquement ça va l'abîmer. Je comprends pas que ce soit possible de faire un système comme ça en fait. Regardez, déjà j'ai commencé un petit peu à l'abîmer en le passant. J'ai repassé le tuyau. Leur système, c'est simplement de pincer le tuyau. Je remets le courant. Là j'ouvre et là ça marche. J'active la pulvérisation et là maintenant ça fonctionne. La question qu'on peut se poser, c'est que là maintenant ça refonctionne, mais jusqu'à quand? Bon, dites-moi en commentaire de la vidéo ce que vous pensez de ce système. En conclusion, si vous avez un problème de pulvérisation, l'un peut venir soit du tuyau qui peut être pincé sur toute la longueur. Vous voyez, c'est principalement au début. Et s'il n'est pas pincé sur toute la longueur, malheureusement, c'est qu'il est pincé sur la partie intérieure au niveau de la gâchette. Et là, la solution, ça serait de découper la partie qui est abîmée. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.